Le magasin qui n'a pas de prix. C'est un magasin anti-gaspillage dans lequel la plupart des objets n'ont pas de prix. Oh! Mais qu'est-ce que t'as dit là? Oh! Intéressant, intéressant! C'est le client qui décide combien il donne par objet. Vous n'êtes pas à l'aise avec le concept? C'est normal, on est habitué à se faire dicter des prix. Seulement, l'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde et les objets non plus. Pour vous guider, il y a une liste de prix suggérés par catégorie d'objets qui est affichée au mur à l'entrée. Le but est d'aider les gens moins en moyens à trouver des objets qui conviennent à leur budget et d'encourager les gens plus aisés à venir acheter usagé un objet qu'ils peuvent éviter d'acheter neuf. Il y a trois sections dans le magasin. Une section carrément à donner, dans laquelle des choses sont ajoutées plusieurs fois par semaine. La majeure partie du magasin avec des choses sans prix établi pour lesquelles le client décide du montant. Et une section avec prix minimum sur les choses pour lesquelles le client décide du montant sans aller en dessous du prix minimum. Beaucoup d'objets sauvés sont récupérés, nettoyés et restaurés. Objets en tout genre. On encourage le seconde main et élimine la surconsommation et le gaspillage. On redonne une valeur aux objets qui ont du parcours. Pour ça, oui, je me démène pour trouver des objets partout, même jusque-là. Minute! Mais ne faites pas cette face-là! C'est incroyable tout ce qu'on peut sauver! De belles choses! Bien sûr, ça n'a pas de prix, prends vos dons d'objets. Les articles qui entrent dans des sacs et des boîtes. Ah, ça n'a pas de prix, rien n'est jeté. On redonne et redistribue. Et aussi à plein de causes et organismes, à des gens qui ont besoin, à travers des projets bénévoles. Pour les meubles, nous consultez avant. Nous n'avons pas d'entrepôt pour accueillir des items trop lourds ou volumineux. Ok, ok, arrête de parler. C'est où? La porte à côté de la buanderie. Lavez votre linge et venez magasiner en attendant. Sur place, il y a aussi un petit espace attente, détente. Vous êtes allumé là, hein, n'est-ce pas? Abreuvez votre excitation en suivant nos faits et gestes. C'est donc toujours mieux d'aller devenir membre du groupe Facebook pour être tenu au courant des changements d'horaire, du nouvel arrivage d'inventaire chaque jour et des vidéos en direct, etc. Et bien plus! Comme mes bonnes blagues de Tetris! Quoi? Je vous laisse trouver de quoi je parle. Beaucoup de travail pour mettre cela en place sans budget a été réalisé avec la persévérance. Dégueulasse! T'es un conteneur! Bonjour! Je me sens comme dans un manège, tu sais. Wouh! Ah! J'ai conduit en tenant ma porte de même parce qu'elle n'est pas fermée. J'ai le dos à moitié plié parce que j'ai un gros meuble dans mon dos. J'ai la tête dans le windshield. Oh putain! Il dépassait de l'auto pas mal. Je pouvais pas fermer ma porte. Je me suis assise là.
dans le petit espace entre les deux, mais il fallait pas trop que je pousse sur le meuble parce que de l'autre côté, la porte n'est pas non plus fermée. J'ai vu les meubles. Oh god, une chance, c'était juste au bout de la rue. Puis j'ai dormi sur le plancher tellement j'étais fatiguée. Mais... ouais, parce que j'avais plus de vie dans mon appartement. Encombré de partout. Ça avait été très difficile de trouver un local. J'avais fait plusieurs démarches, essuyé plusieurs refus, etc. Vous voyez ça ici? Oui, c'est mon lit. On le voit plus, mais c'est mon lit. Regardez, je suis dans une toute petite position sur mon lit. Je vais enfin pouvoir dormir. Ça, c'est une pièce qui est pas supposée d'être encombrée. Les autres sont pires que ça. Fait que yes, local! Oui, on va pouvoir mettre du stock! Oui! Fait comme pour Superman, si vous vous demandez encore... mais qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un village des voleurs. Ce n'est pas une friperie. Ce n'est pas un organisme. Non! C'est le premier magasin qui n'a pas de prix. C'est ça n'a pas de prix. Donc c'est où c'est qu'il faut magasiner à Drummondville? Ça n'a pas de prix! Ça n'a pas de prix. Ah, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ah, ça n'a pas de prix. Ah, ça n'a pas de prix. Ah, ça n'a pas de prix. Allez faire un tour, ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix, mais il y a quand même un concept. Fait que je vais finir avec un beau petit disclaimer. Puis sur ce, bon magasinage. Bienvenue à tous.